Alors la première fois que je suis venu avec les Aquatiques, j'ai pas trop eu le choix parce qu'en fait les organisateurs m'ont appelé en me disant non. En fait ils m'ont demandé est-ce que vous pouvez venir chanter, puis c'était pas possible avec le groupe dans lequel j'étais. Et ils m'ont dit, mais est-ce que tu peux quand même venir participer à une masterclass? Donc en fait, c'était beaucoup plus cool que cette année parce qu'à Grenoble, j'étais invité, j'ai pu faire un petit enseignement pour les jeunes sur quels chants pour l'adoration. Voilà. Et puis Sébastien, la personne qui a eu l'intuition d'Ecclésia Cantique à Grenoble, quelques jours avant, m'a appelé en disant, est-ce que tu reprendrais pas le projet pour Paris? Alors non pas pour t'y investir totalement dedans, mais pour trouver les personnes pour capable avec toi de te lancer. Donc, bien sûr, c'était pas un travail, j'ai pas fait ça tout seul. Et mais voilà, il a fallu trouver des gens et monter une équipe, et ça devient Ecclésia Cantique 2017 à Paris. Je note un alignement des planètes entre guillemets sur le fait que Ecclésia Cantique arrive au bon moment dans l'église. C'est-à-dire que il y a 15-20 ans, les messes de jeunes telles qu'elles étaient proposées dans les paroisses, elles étaient très focalisées sur sur les instruments. On faisait des messes avec des guitares, des pianos, des batteries. C'était chouette, c'était sympa. Mais il n'y avait pas encore ce qui est arrivé il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire cet amour de la polyphonie et de la beauté au sein des messes. Et voilà, des compositeurs qui se mettent à composer, des groupes de prières qui commencent à émerger, des communautés nouvelles qui commencent à sortir des partitions. Et puis de voir comment ces chants, finalement, commencent à arriver dans le répertoire des paroisses. Ça, c'est très amusant. Quand vous prenez un chant, de voir est-ce que ce chant va rester dans le domaine pour lequel il a été composé, c'est-à-dire par exemple un groupe de prière, où est-ce qu'il va vivre sa vie et puis rejoindre quelques années après une paroisse. Et tout ça s'est bien aligné, et j'ai noté en fait, à travers les routes chantantes, à travers les DAC, à travers tous ces événements, un souhait des jeunes de davantage chanter, et puis aussi quand même un besoin de se former. Et puis surtout, ce qui est radicalement différent par rapport à il y a quelques années, c'est que le chant, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu aimes comme chant? Est-ce que les chants sont liés surtout à une chapelle? Et bien là, ça explose complètement, et on le voit avec les Aquatiques. Avec les Aquatiques, les jeunes qui viennent, ils veulent se former, ils veulent chanter leur amour du Christ, mais ils se foutent éperdument de savoir si c'est un chant de telle communauté ou de telle époque. Et ce qui permet de montrer toute la diversité de l'Église à travers tous ces chants. Et le chant qui me touche énormément, c'est le chant d'offertoire qu'on a chanté pour la première fois aujourd'hui à la messe d'ouverture d'Ecclésia Cantique, qui a été composé par Frère Jean-Baptiste à la demande d'Ecclésia Cantique, sur des paroles d'un jeune prêtre, Père Cassiel, du diocèse de Grenoble. Oh, est-ce que la Vierge Marie était soprano ou alto? Je vais vous faire une réponse. Pour moi, la Vierge Marie, elle était soprano mozartienne, je suis sûr. Merci, non vraiment, merci d'être venu, mais vraiment, merci d'avoir tous été là pendant ces deux jours. Et surtout, je leur dis, maintenant, point de départ. C'est-à-dire, comme les JMJ, on rentre des JMJ, on prend des tas d'engagements et on est à fond. Et bien là, la même chose pour la liturgie et pour le chant. Ecclésia Cantique, point de départ, et on va se former, et on va proposer son aide dans les paroisses. Point de départ. C'est à vous, là.